Je vais vous montrer dans cette vidéo eh bien, comment changer la politique de gestion des mots de passe. En fait, le principe est assez simple, c'est que ici je suis sur une plateforme locale et je ne vais pas forcément être embêté par des mots de passe un peu trop compliqués, hein, parce qu'il n'y a pas de risque, simplement pour tester des choses. Hein. Je vous encourage d'ailleurs à installer une plateforme locale. Et pour cela, c'est bien pratique parfois de simplement mettre un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5 et sans forcément avoir une majuscule, 8 caractères, etc. Alors pour changer cela, je vais aller dans l'administration du site et je vais simplement noter ici mot de passe. Ici, je vais descendre et comme vous le voyez ici, il y a ici une politique de mot de passe et par défaut, eh bien, cette case est cochée. Cela signifie que si les mots de passe ne sont pas conformes à la politique, eh bien, ça pourra bloquer éventuellement l'utilisateur et on va être obligé de forcer le changement du mot de passe, par exemple, ce qui est d'ailleurs très bien hein, dans une plateforme en production. Mais ici, dans mon cas, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais simplement décocher cette case et je clique sur « Enregistrer les modifications ». Du coup, si jamais j'inscris maintenant des utilisateurs en mettant, par exemple, comme sur ce fichier CSV ici, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, ça fonctionnera, donc il n'y aura pas de soucis et puis on ne me demandera pas de changer de mot de passe à ma première connexion. Voici donc comment changer eh bien, la politique de gestion de mot de passe dans Moodle.